Allez, de retour la CFTV, on se retrouve donc toujours dans ce BO3 entre Imaginary Gaming et Bad Monkey Gaming sur cette troisième map. Donc qui sera de Mirage. Et cette fois-ci donc pour ce match, je vais être assisté donc de Oli. Coucou à toi poulet, comment ça va? Salut à tous, ça va très bien, écoute. Mon premier cast, tout ça. Je suis excité et un peu stressé aussi parce qu'il y a 220 personnes et il y avait Shuxi qui était là dans le chat, donc ça fait un peu bizarre. Voilà. Ouais, c'est pas grave, ça va bien, c'est, t'inquiète pas. Quoi qu'il en soit, donc peut-être troisième map. J'espère que on va avoir une troisième map plutôt bien tendue comme on a eu là sur 2-2 tout à l'heure. À mon avis, vu les deux derniers matchs, ça risque d'être extrêmement tendu. Vu les deux dernières maps qu'il y a eu là, à mon avis, Mirage, ça va être... C'est à double tranchant, hein. Soit ça va être un match qui va être que pour les Imaginary Gaming parce qu'elles ont remporté la dernière map, ou ça va encore être un match super tendu avec les deux équipes qui vont se taper dessus, qui vont se rendre round par round. Voilà. Bon, après. À savoir qu'on a en parallèle également 3D Max contre. Exact. Contre Penta, si je dis pas de bêtises, ouais, on est aussi également sur une troisième. Quoi? Ouais, hein. En troisième map. Ah ouais, ça passe, c'est vrai, excuse-moi. Oui, parce que du coup je me disais si... Voilà, tu l'as, quoi qu'il en soit. Donc on va débuter donc sur ce troisième cut du côté de ce BPA directement entre ces deux équipes, à savoir que voilà, les Bad Monkey, ils n'ont pas perdu un seul cut round depuis le début des deux rencontres. Peut-être que ça va changer. On l'espère. Alors je me connecte à la GoTV et j'arrive. Hein. Allez, Marie, pour prendre ce premier cut sur Giuliano. A l'air de bien partir pour l'instant, en faveur des Imaginary. Amandine qui va prendre le deuxième sur Irène. Amandine, double cut déjà. On est tous touchés, hein, côté Imaginary, il ne reste plus que Lilsa. Lilsa, premier cut. Ah, le deuxième, le troisième, le quatrième. Oh là. Et le cinquième qui ne passera pas malheureusement. C'était magnifique. Et c'était bien joué. Mais pour une fois, les Imaginary qui passent sur ce knife. Et ça va partir donc TCT. Ça va stay, hein. Exactement. C'est ça. Hein. Comment ça en est que, ils vont faire une défense assez solide parce qu'ils en auront besoin. Après, je sais pas, parce que sur DDoS2 tout à l'heure, on a eu un side terroriste de la part de Imaginary Game qui était plutôt vraiment très propre. Par contre, côté CT, on a eu beaucoup plus de mal. Exactement. Elles ont pris que 2 ou 3 rounds en CT, c'est ça. Hein. J'ai pas regardé le match en entier, mais j'ai vu qu'elles avaient pris que 2-3 rounds. C'est vrai qu'on a eu très peur hein. Sur ce 4 rounds. On avait vraiment eu très peur. 4 knives qui partent et. Le 5ème était pas loin. Hein. Le 5ème était vraiment pas loin non plus. C'est, vrai. C'est dommage, ça aurait pu être marron de les voir mettre le 4 rounds encore une fois. Mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. 4 knives, je trouve que c'est déjà pas mal. Ouais, c'est clair. Bon. On attend que le match commence. On va attendre les ready des deux équipes. On va pouvoir le lancer ce dernier GR de ce BO3. Alors, oui, vraiment deux matchs, deux très beaux matchs en parallèle, que ce soit côté 3D Max contre Penta ou Bad Monkey Gaming. Ça a été plutôt propre. Allez, disons Namir, 5, 4, et on va pouvoir lancer 3, directement. 2, 1, et c'est parti. Match is live, let's go. Donc, du côté terreau, on a Vilga qui prend du stuff, deux flashs, une fumée. Bien qui prend un tech 9. Ah, ça prend beaucoup de stuff côté terreau. Côté CT, ça a pris du Kevlar. Bon. 3 joueuses, c'est au. Ah non, pour une seule joueuse, c'est au Kevlar, le reste c'est du stuff et du SP.
En fait, c'est un princesse qui va vraiment être servi au niveau de ce BPB. On est déjà à 3. On va passer par ce Dunder Pass. Non, il n'y a Exactement. strictement personne au niveau de ce Ah, déjà connecteur. la rotation qui est faite au niveau du B. Ça, c'est bien joué, hein. De la part des bonnes Monkeys, il n'y a Ah, ça presque rentre, ça smoke le personne. city spawn. Ah! Et elle rate la grenade. Ça TK. Ça Allez, Sonia qui va commence. prendre cette entrée qui sort à Mandit. Ça, c'est bien joué. On est Ça en va planter la 5v4. bombe. Ça va planter la bombe. Irène qui plante la bombe. Celle qui est Un là pour kick qui est pris cover. par Juliano. Riven par Princess. Elissane qui retourne la situation. 4v2. Ah, bientôt 4v1. Ouais, 4v1. Et le pistol qui va être mis par les Bad Monkey. Très bien joué de la part des Bad Monkey. La rotation était faite très très rapidement du DCT. J'ai pas trop compris pourquoi. Mais. C'est reparti directement sur BPB alors que. Il n'y avait pas raison de faire ça. Ouais, c'était vraiment un très C'était très très beau bien joué GR de la part demi. Hein. des BMG. Là, on a Allez, on va l'agression de continuer middle directement. directement. On a pu acheter. On est à 5 dans ce middle. On va passer au Ah, niveau de cette corne ça va passer directement. la corne Et directement. attention à Amandine et Princesse hein, qui sont déjà passées. Ouais, désolé. On est passé au niveau de ce BPB. Attention à Juliano qui a déjà pris cette entry kill sur Amandine. Ça, c'est Ouais, bien joué. Sonia Sonia. qui enchaîne également. C'est plutôt bien vu, c'est du 5v3. Là, on est vraiment mal parti au niveau de cette défense. Après, voilà, on est en écho, hein, ce qui est tout à fait normal. La bombe qui est déjà plantée également. Après, faut pas se leurrer, hein. C'est clair que les rounds d'écho en général, c'est très très compliqué à prendre, surtout dans ce genre de situation. Ouais, Vidga qui prend le kill sur Julie. Et Marie. Il se retrouve dans la kitchen avec son USP qui va rien pouvoir faire du tout. Et les BMG qui vont partir. Et voilà le kit pris par Giuliano. Round très propre de la part des BMG, aucune arme perdue, bon planté. Ainsi que l'écho qui commence à partir. Déjà presque 3000 de chaque sur chaque joueuse. C'est propre, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve ça propre. Bon après c'est assez classique pour l'instant. Je pense on met le premier GR, on s'arme directement sur le deuxième Ah, round. et le rush qui va partir en A. Amandine et. Ah, elles vont se faire stop. Stop directement. Ah, un kill pris par Amandine. Ah, ça revient en 4v3. Ah, la grenade qui fait mal quand même. Ouh, Ah, Princesse qui était à la réception, qui a pris quand même 3v3. un bon kill sur Juliano. Ça s'est bien joué. Lissane qui revenge instantanément également sur Amandine. C'est du 3v2 pour l'instant. Un C'est beau plutôt round de bien la tombé, part. hein. Hein. Un beau Plutôt round de bien la vu, part ouais. d'Imaginary Gaming. Ça, on a fait tomber deux armes déjà, donc on est plutôt bien posé. Ah, mon Attention. kick est dans le sandwich. Oh! Un kill de la part de. Ah, un kill de la part de Julie, pardon. Ah, c'était un beau round quand même, hein. Ils ont fait tomber trois armes. C'est propre en round d'écho. Maintenant, elles vont pouvoir partir sur un bail. Avec 4 M4 et une AWAP sur le dos de Marie. À voir. Sur round armée de la part d'Imaginary Gaming, à voir comment elles vont gérer ça. On va Allez, pour voir. l'instant, on est parti sur un contrôle, hein. Assez classique, quand même, côté Bad Monkey, Irene qui s'est placé au niveau de cet underpass, Lilsan qui va prendre la coupe au niveau de cet appartement B, Sonia au niveau de ce middle, elle va essayer de décaler Marie qui a déjà Allez. pris un hit, Et c'est Rim. dommage. Et Princess qui se fait tuer par Juliano. Ah, Marie qui est déjà à 28 HP, hein. C'est déjà mal parti, mais. Imaginary Gaming sur ce round. Ah, le mauvais timing. Nissan qui va reculer. Au niveau des appartements, la bombe au niveau des appartements, ça va peut-être partir pour une agression B. Ça a l'air de commencer à accélérer. Eh oui, c'est bon, À la c'est déclenché en réception. B. Amandine et Marie à la réception pour faire le taf. Ah, Marie qui rate le coup d'AWAP. Ça peut être fatal pour le round, ça. Oh là là, Marie qui rate coup d'AWAP. Eh ben, ça se retrouve déjà en 4v2. Bon planté pour les. Et voilà, c'est Sonia qui prend le kill.
Et Julie qui va se retrouver toute seule. 1v4, elle va être obligée de save son arme. Hein. Pas d'autre solution, c'est pas jouable. La bombe qui va sauter, et encore un round de la part des Bad Monkey, qui mettent très bien niveau économique, et qui mettent 4 rounds dans terreau, ce qui est quand même pas mal sur une map comme Mirage, qui est censée être avantagée pour les CT. Quand même un cinquième, hein. On va partir dans une écho côté écho, imaginary. Hein. On a juste une AK qui a pu être save, hein, donc par Julie, il va falloir qu'elle fasse son taf avec. Ouais, faut au moins faire tomber 3 armes au minimum pour pouvoir que ça soit rentable quand même. Ouais, et pourquoi pas espérer de mettre le round, non? L'espoir fait vivre. Et c'est. Donc 3 en A, 2 en B. Un setup classique. Personne qui contrôle le mid chez les CT par contre. Bah, on a Judy qui est planqué sur le site B avec son AK. Qui va attendre à la réception, mais elle trouvera personne. Attention à Amandine. Terreau qui se prépare pour une agression en A. Amandine qui est très très bien placée. Ouais. Ouais. Mon USP s'appelle Suce ma banane. Ah, okay. La grenade qui va faire très mal. Rima qui manque de prendre un kill. Ah, on a quand même deux terreaux au HP. Dommage. Bon bah, c'est le cinquième round des Bad Monkey. C'est propre. C'est très propre. C'est très propre. Donc on va partir sur un round d'armée pour les Imaginary Gaming. Si elles ne mettent pas celui-là, ça risque d'être très compliqué pour la suite. Ça va partir sur un 6-0 et après encore un round d'écho. Ça pourrait très mal se passer si elles mettent pas ce round là à mon avis. C'est vrai que prendre déjà 5-0 d'entrée sur Mirage... Ça fait mal. Ah, et attention, on a une joueuse au niveau de l'underpass. Beau kill de Sonia. On a un joueur au niveau... Ah, on a Princesse qui a avancé au niveau des appartements. Qui a visiblement pas été vu par Lilsan. Bah, le kill qui va sûrement être pris. Ah, eh ben non. Lilsan, elle a pensé. Ah voilà, Amandine qui revient directement derrière. On se retrouve dans une situation de 4v3. Un round qui semble peut-être bien engagé pour les CT. On est 3, hein. On est à 3 au niveau de ce middle côté bas de Monkey. Attention à lui là qui risque d'être particulièrement débordé. On en a 3 qui passent au niveau de ce connecteur. Peut-être un kill, deux kills. Ah, deuxième qui ne passera pas. Viano qui le reviendra certainement. Ouais, dernière chose qui se retrouve tout seul sur VP. Hein. On pourra rien faire. Et ben voilà, l'espoir fait vivre. Elles ont marqué au moins le premier round de leur side. Ce qui va peut-être leur permettre de revenir dans la partie. On espère. Parce que c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, prendre 5-0 en CT, c'est vrai que ça fait tout de suite mal. Ça fait enfin le premier round, on attendait avec impatience, il fallait hein, qu'on puisse ouvrir ce scoreboard. Quoi qu'il en soit, ça part... cette fois-ci, côté BMG, bah, on va directement diriger au niveau B, de cet appartement. B, ouais, hein. Sonia qui va prendre la coupe pour l'instant au niveau du connecteur. Même pas, il va juste prendre une middle. Ouais, les smokes qui vont tomber en B. Et voilà, Princess qui prend le premier kill underground. C'est revenge par Juniano directement. Ah, ça va partir sur une agression short visiblement. Amandine qui va se retrouver prise entre deux. Ah, elle les a vus arriver, hein, elle pouvait rien faire. Irene qui va prendre le kill, le bomb side B qui est dégagé. On a une joueuse oh, qui Marie, c'est dommage. Ah, elle va prendre un kill quand même. Hein. Elle va faire tomber cette bombe, surtout très très important, ça c'est plutôt bien joué. C'est bien joué. Hein. Elle est complètement blanc ah, au niveau de ce kitchen. Et on a Julie qui va essayer de passer appartement qui a été... Ah non, elle a pas été vue par Juliano. Ah, elle peut peut-être faire la différence là, elle va passer les appartements. On s'en sans doute quand même, hein, que ça va arriver par derrière. Du côté de Juliano effectivement. Ouais non, elle peut pas... C'est dommage, c'est dommage. Et Rima qui se retrouve toute seule, elle peut rien faire.
Et c'est la sixième route pour les Van Monkey qui mettent un side terreau qui est juste parfait, hein. 6 rounds dans terreau, c'est juste ce qu'il faut. Ça. Ouais, Juliano quand même qui est assez on fire, hein. Elle tombe à 11-2 là au niveau de au niveau du scoreboard, elle est largement devant. C'est assez fou pour l'instant, quoi qu'il en soit, ça a l'air de courir de nouveau du côté de CPP. Ça coupe vers les appartements B, c'est déjà rentré. Et Lissa peut prendre ce premier kill sur Randy. Sonia qui va prendre un second également sur Marie. C'est du 5v3. On est en écho côté Imaginary Gaming. La bombe qui est plantée. Hein. On se doute que ça arrive au niveau des appartements. Ouais. C'est Viga qui fera tomber Princess. La grenade qui aurait pu faire mal. Ouais, ça va être le 7ème route pour les Bad Monkey, hein, visiblement. Je vois pas autrement. Ouais, Juliano qui fait tomber encore une joueuse. Et c'est le 7ème round pour les Bad Monkey qui font side terreau. Une certaine qualité. Et Julie qui va peut-être tomber. Ben non. Julie qui va réussir à save une AK. Il fera une dépense en moins. Et on va repartir sur un round d'achat du côté des Imaginary Gaming. Qui sont. Qui ont un cycle monnaie qui est complètement cassé. Y a rien d'autre à dire là. Ils se font. Ils freinent 7-1 et. Ils n'arrivent pas à s'en remettre visiblement. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. C'est. Ça pouvait partir soit sur un match extrêmement tendu, soit justement sur. Un match qui serait. Ah, on s'est clairement motivé apparemment, hein, côté Bon Monkey. On est vraiment très très motivé, on veut vraiment vous laisser aucune chance à ces Françaises. Attention, Julie qui va avoir un contact au niveau de ce connecteur qui va peut-être pouvoir prendre un kill. Voilà, c'est fait. Pendant ce temps-là, c'est Juliano qui aura pris la bonne tête sur Amandine. Sonia qui enchaîne également sur Princesse. Allez, Julie, Sonia qui rate le coup d'AWAP. Oh là 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 là, on se retrouve en situation de 2v2. Hein. Pas n'importe quoi, et la bombe est perdue au niveau de cet appartement. Et voilà, le kit qui va être pris. Mais elle se doute pas qu'il y ait une joueuse. Ah, c'est dommage, hein. Dommage. Et la bombe qui va partir en B. En B. Ou peut-être pas. Ah, c'est. Ah, elles vont se croiser, hein. À mon avis. La bombe qui part visiblement pour la corde en niche. Ah, et le kill qui est pris par Julie. Bien joué. Deuxième round de la part des Imaginary Gaming. Espérons que ça puisse leur remonter le moral et qu'elle pourrait revenir dans le match, ça serait bien. Ouais, donc niveau côté terreau, aucun souci pour Bay. Hein. Non. Cycle économique est quand même un peu cassé parce qu'on a quand même. 3 joueuses qui se retrouvent sans argent. 2 fois 100 dollars, 1 fois 700. Et allez, l'entrée kill qui est pris par Viga. Princess qui arrive à Revenge derrière. Ouais, c'est du 4v4 pour l'instant. On a, ouais, on a Princess pour l'instant qui est vraiment très très low HP. Avec 8 HP, on est sur. On a 2 Famas, une M4, une AK. La bombe pour l'instant qui est toujours à terre. On a pris un moment de vie. Il manque de faire son kill. Et pendant ce temps-là, ça a été. Oh le mauvais timing. Et c'est dommage. Un HP. Oh là 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 là. À ce moment-là, on pourrait presque dire que c'est pas de chance. Hein. Juliano, c'est fou le chat. C'est un HP. Hein. Allez, on a un CT en A, un CT en B. En 4v2. Les smokes qui commencent à pop en B. Flash aussi. La bombe qui part pour B. 2 joueurs dans ces appartements. Ah, ils ont pas pensé à regarder. Attention. Et voilà, Marie qui prend le kill. Elle a empêché la bombe d'être plantée. C'est du 2v2. Et elle va prendre le deuxième kill en V1. Est-ce qu'elle peut le faire, le clutch? Eh ben non. Ah, c'est dommage, elle s'est un peu trop décalée, elle allait recharger en plus.
Senia qui l'a On a vraiment prend le pas de kill. luck, hein. On a vraiment, vraiment pas de chance côté Imaginary Gaming. Et puis on a une Giuliano et une Senia qui sont juste au-dessus Ouais, hein. quoi. Giuliano avec 15 kills, Senia avec 13. C'est magique là, c'est très beau jeu de la part des Bad Monkey. Hein. Allez, Senia qui prend directement le kill sur Marie. Les CT qui ont agressé au niveau de du T-spawn. Et Après, c'est l'agression une qui écho, part hein. pour la short. C'est une écho quand même. Côté imaginerie, le mieux qu'on puisse faire, c'est essayer de faire tomber. Pendant ce temps-là, Vilga qui prend le kill sur Amandine. Ça se bouge un petit Allez. peu qu'il y en a un deuxième. Allez, Giuliano qui prend kill sur Julie. Princess qui revenge. J'ai dit San qui prend kill sur Princess. Et le round qui est terminé assez proprement. Ils ont perdu en terre, on a perdu qu'une seule arme. Ah, et du côté de Giuliano, on demande une pause. On a Irène qui vient de déco. Et Princess qui a déco aussi, hein. Lost Team Logan. Ah ah ah. C'est compliqué, putain. Arrête. Putain, c'est ma première fois, c'est pas gentil. Pendant ce temps-là, ben, on va peut-être pouvoir faire une pause stratégique côté imaginerie, parce que là on a vraiment beaucoup de mal. Exactement. Replacer et à reprendre des BP, c'est plutôt assez rare, j'ai envie de dire. Ouais, et puis même pour les défendre. Hein. Avec là côté Imaginary Gaming, il y a peut-être un couac, hein, au niveau de la communication. Parce que quand on regarde le tableau des scores, on voit qu'il y a quand même trois joueuses qui sont loin derrière. Hein. Amandine, Rima. Et je me rappelle jamais son prénom. On voit quand même qu'il y a 4 joueuses qui sont 3 joueuses qui sont bien derrière et que côté Celui-là. Bad Monkey, ouais exactement, autant pour moi. Et côté Bad Monkey, on pardonne pas hein. Toutes les enfin 2 joueuses qui sont on fire qui Giuliano avec 42 scores quoi. À ce moment-là, elle pourrait jouer à 5v4, là je suis pas sûr que ça changerait grand-chose hein. Vu la manière dont Giuliano et Sonia elles jouent, elles sont instoppables là. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. Le match, il était soit positionné pour une équipe, soit positionné pour les deux. Et ça aurait fait un match très serré, mais là, à mon avis, de perdre la map, enfin de perdre la D2 du côté Imaginary Gaming tout à l'heure. Ça a dû complètement les démoraliser. Ouais, bah j'espère qu'on va avoir un meilleur side terreau comme tout à l'heure sur D2 hein, côté française, parce que là sinon on peut dire un petit peu bye bye à cette on va On rester à peut. mon avis dans le loser bracket pour tout à l'heure. Et je sais pas ce que ça donne par contre sur la troisième map entre 3D Max et les Penta. Pas du tout, je vais aller voir Vous pouvez ça. me renseigner ensuite pour Penta. D'accord. Aussi, c'est un match qui est assez tendu, visiblement. Les Déjà un peu 3D plus Max tendu que pour surmontés. l'instant. Oui. C'est ça. La baguette. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça sur le chat. Oh. Oui. Ouais, probablement. Clairement. Suédois. Vrai que les gens aiment Allez, double scope de faire sortie partir. côté Bad Monkey. N'a pas forcément beaucoup beaucoup d'argent hein, forcément sur côté français. Et pour l'instant là, Voilà, c'est. Giuliano déjà une tri kill de prix sur Ah lui. Giuliano, ah Giuliano qui arrive à prendre le kit sur Marie, Amandine qui revient directement. Oh là là, quel round, oh là 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 Qui enchaîne également celui-là. Il ne reste plus que Princesse. Princesse pour l'instant qui est au niveau de cette corniche et Babac au niveau de cette kitchen.
Elle est en 3v1 et là c'est vraiment vraiment très mal parti. On va essayer de rotate au niveau de ce spawn CT. La bombe qui va arriver du côté de ce BPA. Il y a Peut-être un petit quelqu'un peu en qui zappe la cercle. jungle. Ouais, elle va être attendue par Irène. Est-ce qu'elle a été vue? Ouais, elle a été vue. Ah, la mauvaise flash qui est partie. Elle arrive pas à prendre son kill. Et ça va être le Ah, la disaison pour reload les Bad tellement dans un Monkey. mauvais timing, c'est dommage, ça fait 10-2. La bombe qui sera plantée encore en même temps, et là on part vraiment dans des rounds très très décisifs Pour donc Imaginary Gaming. Hein. ouais, même pour, oui, ben oui, pour Imaginary Gaming justement, parce que voilà, on a mis que 2 rounds au niveau Cityside. J'espère que ça va faire la même que sur Inferno, parce qu'on était parti sur un 11-4 à la base, on est remonté S12. Ah, on peut toujours que comme disait Doi tout à l'heure, l'espoir fait vivre. Donc on peut toujours espérer voir les Imaginary Gaming faire un gros comeback. Et pendant ce temps-là, Juliano qui fait kill sur Rima. Et c'est Revenge directement derrière. Ah, bon kill de Julie sur Vilga. Bon, ouais, les terroristes qui sont paqués dans le mid, hein, qui ont essayé peut-être de passer au niveau du connecteur. Sonia qui prend le kill sur Amandine. Bien joué, elle va rotate, on va essayer de récupérer la bombe, on va essayer de passer au niveau d'un BP, attention, pour l'instant c'est du 3v3, c'est plutôt bien équilibré. 55 secondes à jouer dans cette 13e manche assez décisive, donc on a pris pas mal de hits hein, au niveau de ce BPA sur Ça a Julie passé qui dans se le retrouve à connecteur. 24 HP avec Lula qui est là, qui est présente, qui va prendre le bon kill sur Lilson. Sonia qui va prendre également le bon kill, ça c'est plutôt bien joué, Irène qui enchaîne également sur Julie, et attention, voilà, Princesse qui est de nouveau toute seule. Elle est en clutch, elle en avait deux, elle a juste un P250. En Kevlar, toute Passe nue. à une AK et un AWP. Sur un malentendu, peut-être que ça peut le faire. Mais vu la forme actuelle d'Imaginary Là Gaming, déjà ça on a eu m'étonnerait. l'info, on a déjà eu l'info de où ça venait. On a mettre une HE 38 HP. La La deuxième deuxième. HE. Ouais, c'est fini. Hein. 11-2, normalement le 11-2 qui va passer pour les Bad Monkey. Mais ouais, bon kill d'Irene sur Princess. Et c'est le 11-2 pour les Bad Monkey. Ah. Ce commentaire pour les BMG, ils play avec un joystick. Ouais, c'est drôle. Je plus sois ce commentaire. Bravo. Ouais, c'est Bravo. drôle. Allez, Sonia de nouveau avec son AWAP. Là, Attention, on a un double scope de double. sortie côté Imaginary. Marie pour prendre les kills sur Sonia cette fois-ci. C'est récupéré côté français. C'est du 5v4. Va falloir se motiver. Amandine qui va essayer de prendre la coupe également au niveau de cette corniche. Peut-être prendre le kill sur Juliano. Non, elle va aller récupérer la bombe. Attention, Irène qui est très très bien passée au niveau de cet underpass qui va même prendre un bon kill sur Marie. Ça, c'est plutôt bien vu. C'est rééquilibré en 4v4. On est dans la 14e manche, à savoir les poulets. Princesse qui a donc la coupe au niveau de cet appartement B, appuyée par Amandine qui elle est toujours au niveau de cette corniche. Elle Ça va va devoir déclencher. Hein. réceptionner, hein. Elle va Ça va devoir déclencher, réceptionner. c'est clair, elle va devoir réceptionner, on va devoir venir au niveau de ce bébé. J'espère qu'Amandine va arriver dans un bon timing, parce que va y avoir beaucoup, beaucoup de monde. Elle a un bon timing, hein, Princess. Ah, elle arrive. Amandine qui prend un kill. Oh là là, Princess qui rate son spray. Qui arrive pas à prendre de kill. Amandine qui est toute seule au niveau de la corne. Et voilà. Amandine qui va peut-être réussir. Ah non, elle était blanche. Va tomber sous les balles de Vilga. Ah, c'est du 3v2, hein. C'est faisable. Lula et Julie qui est très, bah même à 1 HP, l'HP du bonheur, hein, Juliano tout qui est low HP simplement. aussi. Hein. 6 HP pour Juliano. Ok, il y a la coupe, hein, attention au niveau de cet appartement. Je ne vous parle même pas de Vilga qui, elle, est très très bien placée au niveau de cette corniche. Ouais, Julie qui va partir save. Et on partirait court, hein. C'est dommage, ils auraient pu essayer de la tenter. 12-2, on va partir sur une dernière manche. On est vraiment pas très très bien côté cyclomonnaie sur Imaginary. Là, on prend vraiment une grosse grosse fessée à côté Une grosse claque, ouais, exactement. Bon. sur Mirage. Ça va drop. Ça va acheter. Les CT qui vont quand même réussir à avoir du stuff. Hein. On voit des grenades qui pop sur Amandine. Sur Marie. M4 du FAMAS. On peut quand même tenter de le mettre. Hein.
C'est pas comme si elles étaient qu'avec des pistoles non plus. Elles peuvent tenter de le mettre, mais bon. Elles vraiment vont réussir. bien, on joue vraiment beaucoup plus posé hein, quand même côté Bad Monkey depuis tout à l'heure. C'est vrai, on prend les entry kills, on va pas se donner bêtement. Exactement. Et ça franchement ça coule comme de l'eau de source hein, j'ai envie de dire dans le gameplay des Bad Monkey Gaming. Pendant ce temps-là, bah, à côté imaginerie, on a beaucoup plus de l'arbre, beaucoup plus de mal, pardon, j'allais dire de l'arbre. C'est n'importe quoi. Parce que j'ai lu un commentaire en même temps. C'est vrai Et qu'on a ouais, du mal, hein. 14-9 pour Penta. C'est mal. Allez, 50 secondes à jouer, on va jouer apparemment du côté de ce BPA. On est deux Ça à va jouer passer le au niveau de ce BPA, hein. Ça connector. split. Ah, Comment le ça kick va, est pris par Julie? Judy. Et le backup qui est déjà là, hein. Oh là là Oh là là là, elle là. est pas de monkey. Encore et encore. Oh, Julie qui prend 2 kills. Ah, Julie qui prend 2 kills, elle laisse quand même Amandine. 2v1. Le clutch, est-ce qu'elle peut? Ah, un kill qui est pris. Peut-être, Est-ce c'est que du 1v1. c'est du 1v1? Oh là là, la grenade et Amandine qui arrive à mettre le troisième round pour l'Imaginary Gaming. C'était tendu, hein. C'était un clutch assez tendu, exactement. Wow, c'est vraiment pas fou, hein, quand même. 12-3, Ça fait ça fait mal, hein. mal, Sur Mirage, ça fait vraiment exactement, très très c'est mal. une Cette fois-ci, grosse claque. on va partir en défense côté Bad Monkey. On va faire un tour côté scoreboard en vitesse. Alors, côté Imaginary, on a Julie pour l'instant qui est devant avec 11-10, suivi de Amandine à 9-13, Princesse qui est juste derrière à 6-15, Lula 6-14, et Marie pour finaliser tout ça 5-14. Côté Bad Monkey, ben, on a Juliano, Impérial 27. 20 à 7, hein, voilà, rien à redire. Sonia 17-7, Pareil. Lilsan 11-7, Irène 11-7, et pour finir, Vilga 7-1-9. C'est propre hein, du côté Bad Monkey au niveau des scores. Impérial comme tu disais tout à l'heure. Voilà, il n'y a vraiment pas d'autre mot hein, pour définir ça, je pense. C'est assez fou, le GR qui doit absolument être Ouais, demi. remporté par les Françaises. Donc là, on va partir sur une agression au niveau du A, j'ai l'impression. Il y a Amandine qui est déjà dans les appartements. Les smokes qui vont On va faire la partir. CPL. La CPL en A qui va bien passer à mon avis. Les Classique, smokes qui ouais. sont prêtes à partir. Le backup qui va commencer à arriver au niveau des. Ouais, ça a été donné, hein. C'est bon, le backup qui est déjà en train de partir. L'agressif hétéro. Aucun kill de prix pour l'instant. Par contre, on a pas mal de low HP. Hein. Lui là qui est déjà à 16 HP. En vrai, qui aurait eu le temps de planter cette bombe, ça c'est ce qu'il fallait faire. Ouais, on Et a là, on une va autre pouvoir chose au se niveau qui placer. spawn et c'est le kill qui est pris par Julie. On a un CT au niveau City. Amandine qui réussit à prendre un kill, qui se fait revenir directement derrière. Ah, et ça part bien au niveau Imaginary Gaming. Un 4v1, c'est remporté par l'Imaginary Gaming. Qui font un gun round plutôt propre, hein. Ils m'ont fait peur. Ils m'ont fait peur, les Français. Je te garantis que ils m'ont fait peur. Oh. Non, moi j'ai trouvé un round assez propre. La bombe plantée directement. Bah, on assiste peut-être au début du comeback. Hein. Et c'est un force buy du côté CT avec un scout sur le dos de Vilga et du P250 Kevlar casque sur tout le reste de l'équipe avec une flash sur Irène. On a force buy, hein, côté Bad Monkey. On n'a vraiment Ah pas bah. cherché à comprendre. Ça, hein, à mon avis, ils ont la confiance. Vu le jeu qu'ils produisent depuis le début de la map, je pense qu'ils ont confiance, très très confiance, en leur force buy là. Et s'ils le Contrôle assez perdent, ça pourrait être. intéressant, hein, côté Imaginary. Pour Ouais. l'instant, on est positionné au niveau de ce T-spawn. On cherche pas trop les kills, hein. On Ah, lui attend. là qui va prendre la kill, qui va prendre la coupe, pardon, au niveau de ce mid. Poigné par Princesse. Allez, le premier kill qui est Amandine. pris par Amandine. Il se fait revenge directement par Juliano. Et ça va déclencher sur le B. Hein. Ça court dans les appartements et sur la corne. Ouais, c'est bon, c'est rentré en B directement. Et voilà, Princesse qui prend un kill. Ah, Irène qui fonctionne directement derrière. Hein. C'est du 3v2.
Est-ce que les Bad Monkey vont pouvoir le faire? On a Marik. Bien positionné au niveau de son Oula, appartement. Et qui va prendre la coupe sur Juliano. Donc il l'a vu arriver. Hein. Voilà, c'est le monkey de Marie. Et Viga qui va partir safe sur scout. Mais c'est plutôt pas mal du côté des Romains. On perd quand même deux armes. Mais on arrive à planter la bombe. Peut-être un comeback à suivre des Imaginary Gaming, hein, comme tu disais tout à l'heure. bah, je l'espère. Je Ce l'espère, parce qu'ils serait. en ont vraiment besoin quand même. Hein. Très pas mal. Peut-être qu'ils sont quand même plus à l'aise côté imaginaire en héros. En CT, il y avait Peut-être. pas photo. Mais après, on est quand même sur une map CT avec le jeu que les Bad Monkey produisent depuis le début là. Ah, et pendant qu'on en parle, Sonia qui prend le premier kill. Ah, Vidya qui Vas-y, le prend le gars. deuxième. Ah, Rima qui a entendu partir dans le palace. Hein. Ah, Juliano qui va continuer d'agresser au niveau de ce palace. Ce palace qui va être smoke. On a un CT au niveau City. C'est dommage, hein. C'est dommage, Vilga qui avait pris de très très bonnes lignes, qui va tomber sous les balles de Julie Princesse qui enchaîne également sur Irene. 3v3, c'est plutôt bien équilibré. On est passé au niveau de ce BPA, la bombe qui vient d'être plantée Oh là là, également. le jump shoot! Oh là là, Sonia qui prend un kill magnifique sur Marie. On n'est pas très très bien placé, un peu imaginary, on peut diffuser à n'importe quel Ouais, la moment. bombe qui est déjà en train d'être diffusée. Et voilà, c'est le round qui part pour les Bad Monkey. C'est tendu, hein. L'Imaginary Gaming qui arrive même à produire un beau jeu, mais les Bad Monkey qui sont là sur ce match. Totalement au-dessus. Au niveau du jeu, enfin le jeu qui est produit, C'est vrai qu'on il est perd, vraiment on se magnifique. fait beaucoup écofistin, j'ai l'impression, côté imaginary gaming, on prend des pauses un petit trop reculées, on le prend à plusieurs en plus, et là forcément bah, après ça passe sur BP, des reprises de P qui sont plutôt bien vues de la part des Bad Monkey. Et ben c'est un peu plus compliqué après C'est très compliqué. de pouvoir win ce round. Bah on part sur. Voilà, bombe qui est laissée qui spawn. On La va pas se bombe presser, hein. qui. On va essayer de contrôle, hein. C'est un maximum côté imaginerie. Pas se presser. Ah, Julie qui essaye. Ah, voilà. Juliano qui prend le premier kill. Sur Amandine. On a Sonia qui est au niveau de ce connecteur avec la WAP. Ouais, ça va repartir plutôt sur du B, hein. Je crois qu'on a compris qu'il y avait beaucoup de joueurs en A. On va partir sur une agression B, la flash qui va partir. Irene en plus Et qui est en allez, train ça court. de back. Attention, là elle a compris, on est parti au niveau de cette kitchen. Irene qui prend la ligne. Ah, On et est voilà, passé, Lissane qui Lissane qui. réceptionne. C'est Irene qui fait dommage. le deuxième kill. Ah là 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 là. Princess qui se retrouve en 1v4. Face à. Sonia Et qui arrive Sonia à qui prendre deux kills. finalise avec un bon kill à la WAP. Hein. 14 à 5, rien à redire, les prises de BP voilà, qui fonctionnent pas côté imaginerie et la défense qui ne Bouge faiblit pas. pas. Ouais, je 14 à pense 5, que. là je pense que ça craint un peu, ça sent un peu la fin de la game pour cette équipe française qui s'est vraiment très très bien battue dans ses débuts de map, mais là. Ah, ça sent. Ça sent mauvais. Ça sent la win pour les Bad Monkey. On a force buy. On n'a pas trop de choix. Et ça va partir sur une agression A. On a vraiment pas beaucoup de stuff. Et voilà, on a Julie qui se retrouve au niveau de ce sandwich. Et allez hop. Viga et Sonia qui va prendre deux kills. Princess qui revenge. Lilsan. Sonia. Et encore Lilsan. Un round très propre de la part des CT, on perd qu'un seul joueur. Et les Et Bad Monkey le draw mettent qui le passe draw. en faveur des Bad Monkey Gaming, c'est le dernier round décisif
Pour cette équipe suédoise qui s'est vraiment très très bien défendue, qui a fait de très beaux clutch, qui s'est bien défendue contre les Françaises également. Là pendant, ben, cependant, ben, alors, sur Mirage, je pense que c'est un peu cuit hein, pour les Françaises. Ils auront vraiment tout donné. Je pense que, voilà, je sais pas trop quoi dire, mais c'est vrai que Bah, c'est dommage. Hein. C'est vraiment dommage. c'est vrai On que attendait tout ce plus, temps. on attendait plus de leur part. Ah, on part peut-être un peu trop vite, hein. Princess qui arrive quand même déjà à prendre un frag. Mais bon, après, c'est vrai que prendre 12-3 en général, c'est jamais très bon signe non plus. Surtout sur Mirage qui est enfin, au niveau très avantagé CT quand même. Et. Pour moi, prendre 12-3, c'était déjà quelque chose de. Je vais pas dire décisif, mais c'était déjà mal parti pour les Imaginary Gaming pour remonter la pente, surtout dans leur forme actuelle. Où on voit qu'il y a deux joueuses qui sont quand même pas en forme du tout. Et voilà, et Sonia qui prend. Qui réégalise à 4 contre 4. Dans cette Et on corniche, on est va. passé. Je pense qu'on a eu Ouais, l'info ça au niveau de passe, ce hein. BPB. Nilsson qui Ça est un petit passe en peu B. servi. Oh là Et là, il il y a la revenge. grosse tête. Et voilà, Linsen qui revenge. Ah, et Princess qui va peut-être. Ah non, Princess qui réussit pas à prendre de kill. C'est fini. Et Rein qui se fait pas tuer. C'est fini, c'est fini. Essayer de planter la bombe. La bombe qui est, Ouais, voilà, la bombe Princess qui qui est se quand même retrouve toute seule, plantée. hein. Et c'est fini, les Et voilà, Badmonkey Gaming qui 16-5. affligent 16 à 5 sur cette dernière map de Mirage Ça fait face au mal, hein. Imaginary Gaming. Ah, c'est dommage. C'est dommage, on va avoir, ouais, de nouveau. Donc un 3D max contre Badmonkey. En ce temps-là, ben ça va être, il y aura l'autre, il y a pas un autre match aussi qui se fera entre, non même pas. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Non non non. C'est la finale du loser bracket, voilà, pardon. Et après il y aura la grande finale donc qui opposera le vainqueur de la finale du loser bracket face au vainqueur de la finale du winner bracket. Ce sera aussi en BO3. Donc surtout ne bougez pas 2 petites minutes le temps que toutes les équipes se rejoignent sur le serveur et on vous retrouve à tout de suite.